Bon les agris, dans cette vidéo, j'aurais cru vous filmer la fin des moissons par chez nous. Mais dans la nuit dernière, tout ne s'est pas passé comme prévu. Alors que la météo n'annonçait rien, l'orage fut des nôtres. Heureusement, pas de dégâts pour les cultures. Mais quand même de quoi nous arrêter quelques jours, histoire que les terres ressuient. Donc fin de vidéo, à la semaine prochaine. Mais attendez, j'ai reçu un message. Hey, coucou Quentin, j'espère que tu vas bien, que les moissons se passent bien chez vous, dans votre région. Nous, on finit ce week-end, donc si tu veux venir voir la moisson en Vienne, il n'y a pas de souci. Donc, qu'est-ce que je fais? Direction la Vienne. Me voilà enfin arrivé. Donc, direction le champ où son père est en train de couper du blé. C'est bon, je vois la batteuse. Une New Holland CX840 avec une coupe de 6-10. Bon, c'est à peu près la même largeur de travail qu'on a au travail. Mais sauf que nous, c'est une CX70-90. Le blé est beau pour l'année, ils arrivent quand même à faire des rendements aux alentours de 6 tonnes. Maintenant que le caisson est plein, direction la coopérative. Quand on arrive à la coopérative, la première étape est d'aller se peser sur le pont bascule. En même temps, le col de Cygne fait l'échantillon. Il nous informe de quelle fosse elle est vidée. Nous dirigeons vers la fosse numéro 8. Une fois vidée, on repart peser à vide et récupérer le bon. On rentre à temps pour voir le dernier épi de blé se faire récolter pour cette saison. We'll be right back.
Venir ici, c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger sur ce métier, cette passion, passer des bons moments, le soir, avec des bonnes grillades, on rigole bien et on fait bien la fête.